La dernière cité, 2 jours après l'attaque. Oula! Suis mal en point. J'ai plus de spectre. Je peux pas courir. Avance. Ils ont amené les tanks carrément. Oh putain. Oui, je t'entends. Attends, il y a un gros là en haut, il va me voir. Voilà. Hé, je suis là, je suis là. Oui, je suis là. Je peux vous guérir. Vous réanimer. Depuis que... Gardienne, la lumière a disparu. J'ai plus de mine aussi. Ça c'est pas cool. Je vous souhaite un message d'urgence. Ce sont les coordonnées à la point de rendez-vous. Ils évacuent la planète. Nous devons nous y rendre. Bon, on y va. Y a pas des mines? Environ 10, c'était 4 jours après l'attaque. C'est l'aigle dans Assassin's Creed. Attends! Je veux pas que je me montre. Vous n'avez aucune chance sur leur pouvoir. Ils n'ont plus qu'à être à leur place. Gardez, si vous mourrez, je ne pourrai pas vous aider. Nous devons être très prudents. Faites attention. Par où il faut aller? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, y en a plein!
Oula. Ah, c'est des charognards. Viens, 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 viens. Ah, putain, je l'ai raté. Nouvel objectif. Suivez votre vision. Bon, bah, suivez le chemin. Hein. La trouille du crépuscule, une semaine après l'attaque. C'est beau. Oula. Encore ? Barrez-vous ! Allez ! À la niche ! Casse-toi ! Non, c'est des chiens de guerre. Merde. C'est de pas se péter une jambe. C'est pas bon. Ah.
La situation doit être pire que ce que je pensais. Ça, c'est mauvais signe. C'est le moment d'y aller. Où allez-vous? Aussi loin d'ici que possible. Je m'appelle Hawthorne. Lui, c'est Louis, notre meilleur pilote. Et vous? Vous êtes en état de voler? Vous aurez sûrement besoin de ça aussi. Il est temps de vous rendre utile, gardienne. Va bien, allumez le moteur. Un long voyage nous attend. As-tu vu tout ce que j'ai accompli, voyageur? Accorde-moi ta lumière. En place au cœur de mon empire. Parle-moi. Et tes vrais gardiens seront les troupes de ma Légion Rouge. Dominus, la cité est sécurisée. Nous pourchassons ceux qui ont fui. Les pauvres fous qui sont restés derrière ont été exécutés. La victoire, comme d'habitude, est entre tes mains. Cette victoire est autant la tienne que la mienne, mon vieil ami. Il ne reste plus qu'à terminer cette cage autour de cette grande machine. Puis nous commencerons à extraire son pouvoir et pourrons le prendre à notre compte. Il m'appelle le Voyageur. Je suis d'avis qu'une autre civilisation pourrait lui trouver un nom plus précis. Ses fonctions peuvent être contrôlées, exploitées, comme nous l'avons clairement prouvé. Pourtant, ils le prennent pour un dieu. Dominus. Cole. Toi et moi avons passé nos vies à essayer de refondre notre société, refonger notre peuple, reconstruire un empire quasiment détruit par l'avidité et la corruption de Calus. Rien dans l'univers n'est plus grand que toi. La Légion Rouge lui prendra sa puissance. Tu deviendras empereur. Que te faut-il d'autre, Dominus? Je vais m'entretenir avec mon invité. Nous approchons la zone nord européenne. Ça va être notre nouveau foyer pendant un moment. C'est là-bas que nous sommes censés aller. Ce truc, il appelle le fragment du voyageur. Moi, j'appelle ça un lieu où j'éviterai de mettre les pieds.
Le domaine. Colis pour les arcanistes. Arrête de flotter, méchant colis. Qu'est-ce qu'on a comme arme? C'est plein de pierres. Des livres pour les titans. Ok, bah. Allez, où maintenant? Ah d'accord, c'est le pif complet. Vous n'avez aucun message. Pour moi c'est clair. Ensuite... Avez-vous une histoire à raconter? Oh, je suis contente de vous dire que vous êtes... Je m'appelle Tira. Fagnon, il y aurait l'air. Désolée. Je prends. On s'est déjà rencontré? Je suis perturbée. Depuis que j'ai perdu contact. Nouvelle armure obtenue. Fagnon le titan déchiré, Fagnon le rêveur. C'est si beau ici. Si je venais à mourir, au moins l'endroit serait parfait. Ouais, des poulets. Poulet, poulet. Beaucoup de monde par ici. Pour moi, en tout cas. Vu que j'ai vécu la moitié de ma vie en dehors de la cité. Donc, j'ai entendu dire que vous vouliez fouiller ce gros éclat de voyageurs. Vous, les gardiennes, vous avez une drôle de façon de vous amuser. Oui, et moi, je comprends bien ce que c'est de suivre son instinct. Je ne vais pas vous retenir et... J'ai plein de choses à faire ici. Prenez le vaisseau avec lequel vous êtes arrivé. Moi, vous reviendrez plus vite. Vous voyez tous ces réfugiés? J'en ai pas encore perdu un seul. Alors ne soyez pas la première. Ton poncho est génial. Autant préfère la vie solitaire et a choisi de vivre au-delà du mur. Mais malgré cela, elle a pris ce camp en charge afin d'aider les réfugiés de la cité à survivre dans ces contrées dangereuses et inconnues. Elle peut vous aider et vous offre un vaisseau pour vous permettre de voyager. Suivez votre vision jusqu'au fragment de voyageur en terminant la mission étincelle dans la ZN. Carte céleste disponible. Autant vous a fait un cadeau d'un vaisseau interstellaire, l'aide de l'errance. Grâce à ce vaisseau, vous pouvez voyager au-delà du domaine et même vers d'autres mondes. Utilisez la carte céleste pour sélectionner de nouvelles missions, marquer des emplacements, consulter des jalons de votre aventure ou interagir avec vos amis. J'ai rencontré plus de monde en quelques jours que je n'en avais rencontré en plusieurs années. Je suis armée, alors ça devrait bien se passer. Un clan, c'est une famille qu'on peut choisir soi-même. Il faut qu'ils aillent plus vite qu'un catch. Alors qu'Autant propose un refuge à ceux qui ont fui la cité, une vision révèle un endroit oublié depuis longtemps. Bon, oui. Dites-moi tout.
l'impression de vouloir faire ça. C'est vraiment la raison pour laquelle on appelle zone mort. Il le faut. Ressort. C'est un signe. Oui, un signe qui dit zone mort. Réapparition limitée. Allongé. Je vais pas une espèce de fusil à pompe là. Ben voilà, fusil à pompe. Vous savez, j'ai été partout dans la ZME. C'est plutôt charmant. Je veux dire, il n'y a rien de plus accueillant qu'une forêt sombre et hantée. Mais ceux qui ne sont pas gardiens ne sont pas supposés quitter la cité. Le truc avec les règles de la cité, c'est qu'elles ne s'appliquent plus une fois que vous l'avez quittée. Il y a un passage dans le mur. Il est difficile à voir, pourtant il est là. Personne ne s'aventure au-delà, du moins pas ceux qui veulent revenir. Une grosse lumière dessus, mais il est difficile à voir. Yes. Ouais, ça fait vraiment forêt hantée. Bon, j'arrive pas à monter, ça commence mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que vous me recevez? Oh putain, c'est des trucs invisibles. Je suis pas trop fan des trucs invisibles aussi là. Ah, les trucs invisibles qui rampent sur les murs. C'est quoi ça? C'est normal? On a quand même un qui a pensé à mettre de lampe. Forêt noircie. Paria, arme sémitique.
vois un peu. Nous y sommes. C'est exactement comme dans notre vision. Oh, c'est pas vrai. Ah, j'ai plus de...
Oh putain. Ma première mort. Oh putain. Ça pique, hein? Ouais. Je pense que nous les avons fait fuir. Emmenez-moi jusqu'au fond. Oula. Voilà, ça c'est bien ça. Où ils sont? Allez, venez. C'était bien ça. Thank you.
Petit. Viens là, toi. Tiens. Vas-y. Merde. Tiens, cadeau. Gardien, un nouveau pote quand j'aime pas ça. Il y a plein de gens. Responsable de l'épreuve. Attends, est-ce que j'ai de nouveaux trucs? Casque. Bas. Ah, 25. Ensuite, les bottes. 25 et 25. 23. Ah, je suis tout en blanc. Fusil de la zone morte. Voilà. Grenade incapacitante. Très une grande barricade. Niveau 7. J'ai vu les infos diffusées par l'avant-garde. La Légion Rouge est en train de mettre le feu aux quatre coins de notre univers. On part de l'aura. C'est un homme indestructible. Ouais, c'est bien ça.
Bouclier, frag de mêlée. Frag de grenade. Le contrôle. Vol catapulté. Voilà. Je suis tout un. Avec les yeux grillés. Là-haut. Regardez-vous, vous avez retrouvé votre lumière. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais tant mieux, parce que nous allons en avoir besoin. Il reste encore beaucoup de survivants, et ils ont besoin de notre aide. Nous devons faire savoir que le domaine est un lieu sûr. J'ai envoyé un type dans la ZME il y a quelques heures pour installer un réseau de communication. Il s'appelle Devrimke. C'est un type bien et un sacré tireur. Ne répétez pas ça. Rendez-moi service. Allez lui donner un coup de main. La guerre rouge, votre vision du voyageur devenue réalité, vous a permis de retrouver votre lumière. Non mais Louis, arrête s'il te plaît. Grâce à vos pouvoirs retrouvés, le camp est désormais encore plus sûr. Il reste cependant des gens dans les territoires sauvages qui ont besoin d'un refuge. Aidez-les à atteindre le domaine. Partez à la rencontre de l'ami d'automne, Devrim, en sélectionnant la zone d'atterrissage nommée Trossland dans la Zen. Bon, il y a... Non, des bulles. Je pense que c'est un bon choix. Je crois que Louis il a un problème. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Bon, si ça vous a plu, pouce bleu, commentaire. Tout ça, tout ça. Allez, salut !